Coucou. Bon. coucou. Bon, c'est mon introduction à chaque fois. Je sais pas quoi vous dire au début. Donc, bonjour à toutes. J'ai toujours le bazar à côté de moi. Nous sommes le samedi 6 mai. Voilà, samedi 6 mai. Je n'ai rien rangé et j'ai dit, je vais faire une petite vidéo que j'avais dans l'idée. Comment je pourrais vous dire? J'ai préparé déjà, vous voyez. Des petits ronds comme ça. Alors, et c'est pas net, net, net. Hein. Alors, j'ai fait un rond de 6 cm. J'ai mis une bande autour de 2 cm et demi. Voilà. Que je suis venue coller dessus. J'ai collé le rond dessus. Voilà. Je vous fais pas le tuto, c'est pas compliqué. Vous faites un rond, vous faites une bande et vous collez votre rond. Alors, si vous voulez, la bande, vous la tournez d'abord et après vous collez sur votre papier et après vous découpez. Hein, c'est pareil. Donc j'en ai fait une, je vous ai dit, de 6 cm. Ouais, 6 cm, 6 cm et demi. Une bande de 2 cm et demi tout le tour. J'en ai fait une autre de 7 cm. Vous pouvez les. Après, vous faites la couleur que vous voulez. La bande là, je l'ai fait, je crois, un petit peu plus large. J'ai fait 3,5. Et j'en ai fait une autre que j'ai commencé à habiller de 9 cm sur une bande de 5 cm. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire une petite pièce montée. Comme ça. Pour décorer une table de baptême, de naissance, de mariage, de tout ce que vous voulez. Voilà. Donc j'ai commencé à décorer. J'ai mis des perles autour, comme ça, et un petit ruban. Bon, pour l'instant, je me suis arrêtée là. Forcément, ça ne donne pas grand-chose. Et je vais essayer de continuer avec vous. Je me suis fait un socle aussi. Alors, comme j'avais pas. J'ai dit, je ne vais pas faire rose encore. J'ai mis des petites fleurs. J'ai pris un papier avec des petites fleurs. Et le diamètre, alors ça c'est à vous de calculer aussi ce que vous voulez, il est de 18. Et j'ai fait un matage en doré avec 1 cm de moins de chaque côté. Donc il doit faire 17 mon matage. Non, il fait même 15. Non, il ne fait pas 17. Je dis des bêtises. S'il fait 18, celui-là il fait 15. Et j'ai coupé avec un ciseau crampeur. Voilà. Donc ça, je vais déjà le coller. Je vais le coller dessus. Alors, je ne vais pas mettre de la colle chaude. J'ai fait chauffer de la colle chaude, mais je ne vais pas mettre de la colle chaude. Je vais le coller avec du double face. Parce que la colle chaude, comme je vous ai dit, c'est. Comment? Des fois, ça ne va pas. Sur le doré, comme ça ne va pas. Et tout en vous parlant, je suis en train de chercher mon pic que je ne sais encore pas où je l'ai mis. Comme j'ai rien rangé, eh ben, je ne sais pas où il est. Forcément. Bon, ben, je vais prendre autre chose. Hein. Mon pic pour retirer la pellicule. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh là là. Monique, il va falloir que tu ranges là parce que je ne sais pas. Ah si, il est là. Voilà. Donc, et comme d'habitude, je suis devant la vidéo. Et ben, ça y est, j'ai la boutonnée. Ce rhume, il ne veut pas passer. Hein, il n'y a rien à faire. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, je vais déjà faire. Alors, j'ai mis mon pistolet à colle chaude quand même à chauffer. C'est juste pour vous donner une petite idée de créa. Si vous avez un baptême en vue, tout ça, pour faire. Vous pouvez le faire plus grand, plus petit. Vous pouvez faire pour chaque invité. Alors, j'ai cherché un système, vous savez, pour mettre des dragées dedans, mais j'arrive pas trop à trouver comment on pourrait faire. Enfin, à part faire comment? À part faire comment? Un trou dans chaque qui corresponde comme ça et que ça tombe à l'intérieur, mais je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, donc je ne fais pas. Ça sera juste une décoration. Donc là, j'ai retiré mes pellicules. Je vais essayer de le mettre bien au milieu comme ça. Que ça soit à peu près pareil partout, hein. Voilà, ça me fait un petit socle.
Alors, comme ça. Cette partie-là, alors j'ai une couture, enfin une couture, il y a le raccord de ma bande qui est là. Donc je vais tous les mettre derrière, mais avant, il faut que je fasse la déco sur les autres. Donc là, je vais coller, je vais aussi mettre un peu de double face. Viens de m'en servir de double face, il est là. Juste en mettre un petit peu. Hop. J'ai une perle qui vient de partir. J'aurais pas dû faire ça. Ça va pas aller. J'ai appuyé un peu trop sur mon socle là. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller comme d'habitude, hein. J'aurais pas dû appuyer dessus. Bon, ce que je vais faire, je vais... Attendez. J'ai déjà collé mon... Ma perle là qui est partie. Hop. Je vais vous montrer après comment je m'y suis pris. Voilà. Et là, je vais mettre un peu de colle aussi tout le tour. Forcément. Toute façon, une fois que vous avez vu la chose, vous avez compris comment faut faire. Donc, j'ai pas trop à vous expliquer. Hein. Les mesures, c'est vous qui prenez le rond que vous voulez et après vous mettez une bande autour. Voilà. Et je vais le mettre au milieu. Voilà. Donc, ma couture, elle est où? Elle est là. Ma couture est là. Donc, là, ça va être comme ça. Ensuite, je vais venir décorer celui-là. Donc, alors, je vais faire... comment je vais faire? Parce que là, j'avais pris des mesures. Je vais démarrer avec combien là? J'ai pris ces petites perles-là. Voilà. Je me suis fait des bandes. Oui, c'est... J'explique bien moi, hein. Oula, mais je sais que vous me comprenez, donc je m'inquiète pas trop. Je sais que quand vous voyez faire, vous avez compris, c'est pas des choses compliquées que je fais, donc c'est juste pour vous donner des petites idées. Hop. Ce que je vais faire, je vais couper là, hop. Je vais couper là. Hop. Et je vais démarrer là. Alors là, il m'en faut 4. Donc moi, je les colle 4 par 4. Là, les autres, c'était 5 par 5, je crois. Et celle-là, ça va être 4 par 4. Donc, on va... Je vais mettre en biais comme ça. Même 3, ça aurait été... Oh non, 4, c'est bon. Donc, je vais mettre un bout de colle là, où il y a ma couture. Et à peu près là. Voilà. Hop. Comme ça. Et je vais faire en zigzagant à chaque fois. 4. Alors je vais couper des morceaux de 4. J'espère que ça va correspondre. Là, j'ai pas pris de dimension. Alors. On y va. Je vais me faire comme ça. Même 3, ça aurait été suffisant là, parce que oui, 3. Parce que je vais redémarrer au-dessus. Vous voyez là, je vais redémarrer au-dessus de celui-là. Donc ça m'en fait 3. Ouais. Ça, vous mettez les perles que vous avez. Hein. Moi, j'ai ça, donc c'est pour ça que je mets ça. Voilà. On va mettre la colle. Et je vais continuer comme ça tout le tour. Je ne sais pas si je ne vais pas vous reprendre après parce que après je vais voir si je peux faire un montage.